Les prosternations de la distraction. La prosternation de distraction a trois causes. Le doute, la diminution et l'ajout. Concernant l'ajout, comme le fait d'ajouter une inclinaison, une prosternation, une assise ou autre. La diminution, comme le fait de délaisser une obligation parmi les obligations. Le doute, comme le fait de douter, est-ce qu'on a prié 3 unités ou 4 ? Le doute est de deux sortes. Douter pendant l'adoration ou douter une fois avoir accompli l'adoration. Si l'on doute pendant l'adoration, si ce doute est récurrent, c'est-à-dire si la personne doute souvent dans sa prière, on ne tient pas compte de ce doute. Dans le cas contraire, on s'appuiera sur ce qui nous paraîtra le plus plausible. Si rien nous apparaît, on s'appuiera sur le minimum, c'est-à-dire le minimum de rekat qu'on a effectué. Douter une fois avoir accompli l'adoration, on n'en tient pas compte, à moins d'avoir la certitude. Remarque, si une nouvelle distraction survient lors des prosternations de l'oubli, c'est-à-dire si on a un nouvel oubli ou une nouvelle distraction pendant la prosternation de l'oubli, on n'en tient pas compte et la prière est correcte. Lorsque l'on délaisse un pilier, alors la prière n'est pas valable jusqu'à ce qu'on vienne avec ce pilier et ce qui suit ce dernier. Puis, on effectue les prosternations de distraction. Lorsque l'on délaisse une obligation par oubli et que son moment est passé, on effectue alors deux prosternations de distraction.